y a à peu près 3 mois, j'ai perdu mon porte-monnaie. Avec dedans mon passeport, ma carte d'identité, mes cartes bancaires et 27 150 euros. Oui, à pic. Mais je vous rassure tout de suite, ce soir, ce n'est pas un tête sur les porte-monnaie retrouvées dans le futur. C'est pas encore arrivé là-bas. Bref, il y a 3 mois, j'ai vraiment perdu mon porte-monnaie avec dedans tout ce que je vous ai dit et sans aucun espoir de le retrouver. Et 3 jours plus tard, quelqu'un a sonné à mon portail. Grâce a retrouvé mon porte-monnaie dans le sol et l'a donné à Madame Antoinette, sa patronne qui me l'a ramené. C'est au bruit qu'on fait les pièces alors qu'elle me rendait le porte-monnaie que j'ai su qu'il fallait que je rencontre Grâce. Quand je la rencontre, Grâce a 10 ans. Elle a un uniforme bleu, un peu trop grand pour elle. Elle est la benjamine d'une famille de 6 enfants. Elle vit avec ses 4 sœurs et frères, et sa mère aussi, dans 2 minuscules pièces qui en ce moment sont tout le temps inondées. Ses 2 sœurs aînées ont systématiquement quitté l'école en classe de 4e parce qu'elles étaient enceintes, chacune d'elles, l'une après l'autre. C'est vous dire si les 27 150 francs qu'il y avait dans mon porte-monnaie, Grâce en avait besoin. Et pourtant, Grâce est apprentie couturière. Elle travaille avec Madame Antoinette, sa patronne. Madame Antoinette me dit que c'est la plus jeune de ses apprentis, mais aussi la plus déterminée. La première à lui arracher les patrons à poudre et la dernière couchée. Quand je lui demande pourquoi elle a quitté l'école, Grâce me dit, vraiment, je n'y retrouvais plus. Et vous étiez combien dans la classe? 102, d'accord. On était 51, le maître est parti et ils ont baissé les options. 102. Oui, Grâce est aussi honnête, résiliente, déterminée que son français est approximatif. Pendant les 5 ans où il l'a accueilli du CI au CM1, le système éducatif béninois a failli à l'éduquer convenablement. Elle est pour moi le symbole d'un potentiel inexploité, le symbole d'un système éducatif malade. Alors, on peut analyser tout système éducatif selon 3 axes. L'accès, la qualité, l'opportunité. L'accès, c'est le nombre d'enfants qui rentrent, qui intègrent l'école primaire. Au Bénin, en 2015, 99% des enfants intégraient l'école primaire. Pas mal. Mais 1 sur 4 ne terminait pas le cycle primaire, n'arrivait pas jusqu'au CM2. Grâce. La qualité. On peut la réduire à 3 compétences fondamentales. Aptitude à lire, écrire et compter à un niveau donné. Seuls 2 enfants béninois sur 5, quand ils arrivent en CM2, sont en mesure de lire, écrire et compter comme ils le devraient. 2 sur 5. Les autres. La pertinence. Est-ce que nous formons des individus épanouis, des citoyens responsables, des acteurs de changement? Est-ce que nous leur donnons les outils dans nos écoles pour comprendre hier, s'adapter aujourd'hui et construire demain? L'accès, la qualité et la pertinence. J'ai eu le temps d'y penser, d'y repenser encore, quand, entre janvier 2017 et janvier 2019, j'ai administré une école primaire. Je m'appelle Claire. Je suis petite fille de Paul, instituteur. Je suis fille de Roger, professeur de physique, et de Fafa, qui il y a 30 ans a fondé cette école. Ça fait plus de 10 ans que je travaille dans le secteur de l'éducation. Plus de 10 ans. Donc je me croyais armée pour ce combat. Mais en fait, rien, il n'y a rien qui vous prépare à travailler dans une école. Rien. Parce que pour moi,
C'est une espèce d'équation infinie. Quand vous gérez une école, votre but c'est de créer un environnement favorable pour les 500 enfants qu'il y a dans votre communauté scolaire. Mais en même temps, c'est impossible de ne pas penser aux 3 millions d'enfants qui sont au Bénin entre 3 et 11 ans. Comment est-ce qu'on fait pour qu'ils aient accès à ce même environnement favorable? C'est être fasciné par le génie d'une petite fille de 8 ans et se demander comment est-ce qu'on construit les systèmes qui en produisent des milliers. Comment on fait? Il y a des pistes. On sait par exemple qu'il faut mieux former, accompagner et payer les enseignants. Petit retour dans le futur. Imaginez que vous avez 6 ans. Vous êtes dans une classe belle, grande, mur bien bâti, lumineuse. Votre banc est confortable. Vous avez sur les genoux un sac avec toutes les fournitures dont vous avez besoin. Entre l'enseignant. Bonjour les enfants. Sortez la cahier jaune. Votre année est foutue. C'est aussi simple que ça. Donc, mieux former les enseignants, mieux les payer, mieux les accompagner. Il y a d'autres pistes qu'on explore moins. Par exemple, les racines de l'éducation africaine. Comment éduquait-on avant la période coloniale? L'école telle que nous la connaissons aujourd'hui, tous, est arrivée dans les bagages des colons. Elle avait avant tout une mission civilisatrice. Comprendre l'asservissement. Mission accomplie. Aujourd'hui, au contraire, nous avons la mission de sortir nos enfants d'une forme de servitude mentale. Nous devons les former aux compétences du 21e siècle et à toutes les transitions qu'ils vont devoir affronter. Transition numérique, écologique, sociale. Et pour cela, il y a des leçons hyper importantes qu'on peut apprendre de la façon dont on nous éduquait avant la colonisation. Sur la forme, parce qu'on éduquait au contact des adultes, de la communauté, de l'environnement naturel, mais aussi sur le fond, en nous réappropriant tout ce qui est savoir endogène, tout notre patrimoine, matériel comme immatériel. Donc ce sont des pistes, mais il y a une seule solution. La solution, c'est vous. Et c'est moi. C'est nous qui devons tous investir dans l'éducation. Et si le financement de l'éducation par les pouvoirs publics, les bailleurs, les ménages ne suffisait pas? Et si les entreprises sans limite, qui accompagnent de nos événements, avaient aussi pour responsabilité non plus l'humanitaire ou la charité, mais d'investir lourdement dans le capital humain? Parce qu'en faisant cela, ils investissent dans leurs futurs employés, leurs futurs partenaires, leurs futurs clients, leurs futurs collaborateurs. Et si en tant qu'individu, vous aviez la responsabilité d'investir dans l'éducation au-delà de la scolarité de vos enfants, vous avez à votre disposition 3 ressources fondamentales. Votre voix, vos compétences et votre argent. Votre voix. Participer à chaque fois que vous le pouvez au débat sur l'éducation. Ça peut être dans l'assemblée générale des parents d'élèves dans votre école, ou un débat public, ou même sur les réseaux sociaux. Mais exprimez votre voix et votre vision sur l'éducation. Vos compétences. Mettez vos compétences au service d'une communauté scolaire. Choisissez-la où vous voulez. Faites-le autant de fois que vous le pouvez dans l'année. Votre argent. Prenez le risque de financer des projets éducatifs ambitieux, différents, qui sortent des formats rassurants que peuvent être le privé professionnel ou l'école bilingue. Voilà ce que nous pouvons faire à hauteur d'hommes et de femmes aujourd'hui, avec ce que nous avons. C'est important, parce que le monde de demain, celui que nous avons brillamment présenté aujourd'hui tous, celui que nous appelons de nos voeux, c'est l'école d'aujourd'hui. Et l'école d'aujourd'hui, c'est nous. Nous devons réclamer ce pouvoir. Il nous appartient à nous, nous tous, de faire en sorte que toutes les générations futures, puissent exploiter pleinement leur potentiel, avec confiance, avec force et avec grâce.